Les amis, très heureux de vous retrouver pour parler du Mercato Real Madrid. Deux grosses news aujourd'hui. La première, c'est que José est un nouveau joueur de la Casablanca. C'est officiel. Il a signé du côté du Real Madrid et sera présenté demain devant les Socios à 11h. Et je vais vous présenter son profil, vous dire mon avis, vous donner mon avis sur ce joueur, est-ce que je suis content de son arrivée ou pas? Et puis la deuxième grosse info de la journée, c'est que Carlo Ancelotti, l'entraîneur actuel du Real, va quitter le club en fin de saison et rejoindre. C'est officiel d'après les médias brésiliens, la les Sao, avec pour objectif. D'aller chercher la Copa América et d'aller chercher bien sûr la Coupe du Monde avec cette sixième étoile. Donc il y aura de quoi parler de la succession de Carlo Ancelotti en fin de vidéo avec deux, trois noms. Il y a une info également sur Zidane que je veux vous partager. Bref, c'est une, une vidéo actuelle Madrid qui englobe plusieurs infos. Je trouve ça toujours sympa. C'est parti avec Rossellou. Qui devait être à la base le remplaçant de Mariano, jusque-là pas de problème. Je trouve que Rossellou, de par ses stats, son profil, sa mentalité, aurait beaucoup plus apporté qu'à Mariano dernièrement. Mais voilà, le Real Madrid mise apparemment sur lui. Et demain, on devrait avoir plus d'infos à ce sujet, puisque aujourd'hui, on nous parle de deux numéros potentiels pour Rossellou. Le numéro 9, disponible avec le départ de Karim Benzema, et le numéro 14, et en fonction du numéro qui sera attribué à Roselou, on aura quand même quelques idées sur le futur mercato du Real Madrid. Je m'explique, si Rosellou venait à prendre le numéro 9 de Karim Benzema, il serait donc en toute logique l'attaquant titulaire, ce qui voudrait dire que Florentino Pérez avait donc raison. Disait donc la vérité, et que le mercato du Real Madrid serait donc officiellement terminé mi-juin. Ça va être long jusqu'au mois d'août si c'est si la vérité. S'il prend le numéro 14, on aura encore quelques espoirs quant à une possible venue d'un numéro 9, Harry Kane, Mbappé ou un autre. Je n'en sais rien. Actuellement, comme vous, je suis paumé. Est-ce que, pareil, si demain le Real donne le numéro 9 à Rossellou, c'est une forme de pression sur le clan Mbappé pour dire que voilà, euh, et sur le Paris Saint-Germain Je ne sais pas également. Mais moi, je pense quand même que si Rossellou venait à prendre le numéro 9, ça serait un mauvais signal envoyé aux Socios et à l'Europe. Parce que si Rossellou, qui est un attaquant de 33 ans, attaquant de l'Espagnol de Barcelone, et que demain il devient l'attaquant titulaire du Real Madrid. <coughs> Ça va être compliqué d'aller chercher des titres et là tu pars clairement en mission bricolage pour une année. Le transfert du coup il s'agit d'un prêt de 500 000 euros avec une option d'achat non obligatoire d'un million 500 000. Autant vous dire que le joueur va absolument rien coûter au Real Madrid, d'autant plus... Qu'il a apparemment subi une perte de salaire. Alors là, ça, ça me surprend. C'est comme si vous, demain, vous travaillez dans le magasin en pleine campagne, que vous êtes recruté par Louis Vuitton et que vous avez une baisse de salaire. Normalement, quand tu signes au Real ou dans un grand club européen, tu as une augmentation de salaire. Bon, je pense que le Real a vraiment joué le, le rat sur cette opération. On dépense le moins possible. Je ne comprends pas le message envoyé. Pour moi, tu ne mets pas en valeur ton produit. Mais bon, ça, ça reste un autre débat. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Rossellu ça reste un joueur qui a été formé au Real Madrid, qui possède donc l'ADN de la Casablanca, il connaît l'exigence exige... de ce club là et il a un profil qui est intéressant puisque bon, aujourd'hui mis à part son âge qui est vraiment un défaut de 33 ans et c'est rare que le Real vienne à recruter un joueur trentenaire mais trentenaire avancé, c'est un joueur qui mesure 1m92, un profil un peu différent donc de Karim Benzema, un attaquant qui va jouer en déviation, en pivot, qui a un bon jeu de tête et qui surtout... A de bonnes stats en Liga, puisqu'il reste sur 4 saisons consécutives avec plus de 10 buts, dont la saison dernière avec 16 buts inscrits en Liga, 2 passes décisives, soit un joueur décisif à 18 reprises en Liga avec l'Espagnol Barcelone qui est descendu en Segunda B. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un joueur qui à la base devait être un remplaçant de Mariano. Bref, c'est un joueur qui peut apporter sa pierre à l'édifice au Real Madrid. Est-ce que maintenant il a les capacités d'être un titulaire indiscutable Pour moi, la réponse est non. En tout cas, un joueur qui a commencé 87% du temps avec l'Espagnol, 35% de participation au but. 87% de minutes jouées, bref, un élément majeur de l'Espagnol Barcelone, mais malheureusement, toutes ces stats n'ont pas suffi puisque ce club a été relégué, comme je vous l'ai dit à l'instant, en Segunda B. <coughs> Donc, ça c'est intéressant cette stat parce qu'il y a une certaine régularité chez lui et surtout une régularité tardive, puisque c'est un joueur qui, depuis ses 29 ans, inscrit plus de 10 buts en Liga, donc 16 la saison dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, 16 buts en Liga c'est à peu près ce qu'a marqué Rodrigo, c'est plus qu'Asensio. Donc, c'est un joueur qui peut marquer l'année prochaine avec le Real dans un club qui va être plus dominant que l'Espagnol de Barcelone. C'est un joueur qui peut marquer sa quinzaine et pourquoi pas dans une saison extraordinaire 20 buts donc c'est quand même pas mal par contre comme je l'ai dit message envoyé en Liga et à l'Europe et aux socios qui serait absolument terrible si tu fais de Rossellou ton attaquant titulaire 33 ans et qui vient d'un club qui, descend de, qui va descendre en seconde division Rossellou c'est quand même aussi un joueur qui a, qui a gagné un trophée donc la Ligue des Nations avec l'Espagne convoqué donc par la Roja donc un joueur qui a quand même une certaine estime en Espagne bon c'est pas pareil un titulaire il y a des joueurs devant lui comme Morata etc... Je vous l'accorde, le vivier de l'Espagne est quand même très faible dans cette génération. On n'est pas du tout sur l'Espagne 2010 qui avait des cracks dans absolument tous les postes, mais ça reste quand même un joueur qui est convoqué par euh, l'équipe nationale et ça c'est quand même pas rien. Pour l'image du joueur, pour l'image du Real Madrid. L'autre info que je voulais vous dévoiler, c'est le potentiel retour de Zinedine Zidane dans la direction sportive du club. L'info est sortie hier, étant donné que Zidane n'a toujours pas trouvé de club, qu'il n'a pas eu l'équipe de France. Visiblement, l'IUV va conserver Massimiliano Allegri. Le PSG va signer Louis-Sandriquet. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur le vestiaire, je vous invite à aller la voir. Bref, aucune porte de sortie. Pour le français, on sait qu'il est patient, on sait qu'il va attendre l'après Didier Deschamps, et donc le Real Madrid voudrait pour l'instant l'enrôler dans la direction sportive. Un atout majeur pour pourquoi pas aller chercher ce joueur là. Ça serait un argument de poids dans la bataille qui va opposer le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans le dossier Mbappé pour 2023 ou pour 2024. Aujourd'hui, après Rossellou, le Mercato s'est bloqué. Et d'ailleurs, petit mot à ce sujet, sur les quatre recrues actuelles du Real Madrid, Brehm Diaz, Fran Garcia, Rossellou et Bellingham, 75% des recrues sont des joueurs qui ont déjà porté le maillot du Real Madrid. Comme quoi, quand on est prêté, quand on quitte le Real, on a toujours à un moment une possibilité de revenir au club. Et puis l'autre info qui est tombée donc vers 18h. C'est pas une bombe puisque c'était dans les papiers depuis quelques jours, c'est Carlo Ancelotti qui va donc prendre la direction de la Celesao à partir de 2024 tout simplement pourquoi Parce que le Real a refusé de libérer le coach italien dès 2023, ça aurait fait, fait peut-être trop de changements, peut-être qu'il n'était pas peut-être qu'ils veulent attendre Raoul, peut-être qu'ils veulent attendre, je ne sais pas, Chabi Alonso ou Zidane, aucune idée ou Nagelsmann, je n'en sais rien. Toujours est-il que le Real a refusé de libérer Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui n'a pas fait l'unanimité et qui en plus de ça je trouve le pauvre va se retrouver dans une saison de transition peut-être absolument catastrophique. C'est-à-dire que s'il gagne, bah, on dira bravo Carlo. Et puis s'il perd, il sera peut-être même viré, sali alors qu'on ne lui donnera pas le matériel nécessaire pour réussir une grande saison. Et ça sera le successeur de Carlo Ancelotti qui aura peut-être Kylian Mbappé ou, un autre, ou une, grand, une autre grande star. Donc je trouve ça compliqué pour lui sachant que lui a demandé des garanties sportives sur le prochain effectif du club et que ce, le, la direction du Real ne lui a pas donné pour l'instant je parle en attaque puisque aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a 4 joueurs pour 3 postes ça veut dire qu'en cas de deux blessures ou deux suspensions on se retrouve qu'avec deux joueurs offensifs autant vous dire que c'est quand même compliqué comme situation et Carlo Ancelotti qui va donc être grand monsieur et terminer sa carrière en club au Real Madrid avant d'aller faire un dernier exploit peut-être avec le Brésil en allant chercher évidemment cette sixième étoile qui est l'objectif ultime, la Coupe du Monde qui aura lieu donc en 2026 et pourquoi pas également aller chercher une Copa América qui a été remportée par l'Argentine de Messi au Maracana dernièrement. Donc voilà, Carlo Ancelotti... Qui aura quand même marqué ses deux passages au Real Madrid par deux victoires en Ligue des Champions. Et au niveau de la succession, on parle de plusieurs noms. Évidemment, Raoul, qui lui devrait potentiellement rester du côté du Castilla en cas de montée en Segunda B. Ils, ils ont le, le barrage retour pardon, dans la semaine. Ils ont, fait le match, ils ont fait match nul à domicile au, au stade Alfredo Di Stefano, un partout. Donc pour l'instant, ce n'est pas un score qui est très favorable au Castilla. Donc, Raoul fait partie des, des, euh, des favoris. Il y a également un troisième mandat possible de Zinedine Zidane, qui lui pourrait donc rentrer dans la succession dès 2023. Et évidemment, c'est lui qui fait partie des favoris également. C'est Xabi Alonso, qui fait un travail formidable du côté de l'Everkusen. Il est arrivé en courte saison en Bundesliga l'an passé. Il aura cette fois les, euh, le club allemand pendant une saison entière pour bien travailler. Et après ça, bah peut-être qu'il ira prendre la succession de Klopp du côté de Liverpool. Ou peut-être la succession de Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. Pour moi, le Real doit se jeter sur ce profil-là. Vous avez mon avis pourquoi Parce que si d'aventure, il venait à signer du côté de Liverpool, il pourrait partir pour un mandat très très long, comme l'a fait Klopp. Un, un mandat de 6 à 8 ans. Et tu pourrais louper le train de Xabi Alonso, qui est pour moi un entraîneur ultra moderne. Alors oui, Zidane c'est l'image, c'est le prestige du Real Madrid, mais moi j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, j'ai envie de voir Zidane ailleurs, j'ai envie de voir Zidane par exemple à la Juventus, et j'ai envie de voir quelque chose de nouveau aussi du côté du Real. Ancelotti, Zidane, Zidane, Ancelotti. Voilà, j'ai envie de nouveautés, que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des entraîneurs. Et pourquoi pas donner euh, la chance à Raoul qui lui a remporté l'Aios League, qui va possiblement remplir son objectif de faire monter le Castilla en Segunda B. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire, les amis, aujourd'hui. Euh, une belle page Mercato. Donc, Rossellou, comme je vous l'ai dit, si je dois faire un bilan de cette vidéo, c'est un très bon remplaçant. Un joueur qui sera utile au Real Madrid, qui peut planter sa quinzaine de buts, toutes compétitions confondues, même plus s'il est en forme. Maintenant, ça reste un joueur qui a 33 ans, qui va. Bah, obligatoirement décliner, avoir de plus en plus de blessures et euh, l'avoir en tant que titulaire du Real Madrid, c'est un grand nom. Donc si le Real ne peut pas avoir Kylian Mbappé, pour moi, il faut aller sur le dossier Kane. Je vous en ai parlé hier, je vous ai donné tous mes arguments. Et puis pour Carlo Ancelotti, il va finir son mandat de 3 ans. 3 ans, c'est long pour un entraîneur, surtout au Real Madrid. C'est assez rare qu'un entraîneur fasse 3 ans. Donc c'est très bien. Il va partir par la grande porte en terminant sa carrière d'entraîneur dans le plus grand club du monde avant de prendre... Ben la sélection la plus titrée de l'histoire en Coupe du Monde, donc voilà, un palmarès hors du commun pour cet entraîneur, et puis on aura le temps d'ici là de reparler de la succession, peut-être qu'on aura Nagelsmann qui n'a qui toujours pas de club, peut-être qu'on aura Zidane, peut-être Xabi Alonso, peut-être Raoul, peut-être un autre entraîneur, on aura le temps d'en parler d'ici là. Merci à tous les amis pour votre fidélité. On se retrouve peut-être demain. Je verrai ma forme et mon humeur pour parler de Rossellou en fonction de son numéro. S'il a le numéro 9, évidemment, ben, ça voudrait dire que le mercato du réal est fermé et peut-être qu'il y aura de quoi en faire une vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, et vous pouvez me rejoindre également sur Spotify, Le Vestiaire. Je vous dis à très vite les amis. Ciao